Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Il y a une vidéo là qui circule sur Facebook parlant du jeune humoriste et comédien Défaut Premier, le président des terroristes. J'ai écouté cette vidéo, ça ne m'a du tout pas plu. J'aimerais partager la vidéo là avec vous. Écoutez attentivement et j'ai beaucoup de choses à vous expliquer après cette vidéo. Écoutez attentivement. Cette vidéo s'adresse à Défaut Premier, le président des terroristes. Chien Défaut, tu me connais bien, je suis AF237 Buzz. Je t'ai contacté il y a 2 ans pour faire la promotion de ma page Facebook. Avant de te contacter, je ne connaissais pas encore Franco Le Mignon. Franco Le Mignon qui est un peu comme mon père parce que c'est grâce à lui qu'il m'a donné beaucoup de conseils. Il m'a aussi un peu appris comment je peux développer mon compte, ma page Facebook, YouTube et TikTok, Instagram, etc. Défaut le premier, tu m'as appelé, je t'ai appelé pour te dire que je voulais la promotion de ma page Facebook. Tu m'as promis de te donner 250 000 francs CFA. Tu pourrais me produire jusqu'à 1500 abonnés. Alors, tu pourrais me donner jusqu'à 20 000 abonnés en moins de 6 mois. Et tu m'as dit que tu étais spécialisé dans ce domaine-là. Défaut premier, tu as pris mon argent, 150 000, que j'ai envoyé via Western Union pour faire la promotion de ma page Facebook. Depuis que tu as touché, il restait 100 000 que j'allais te donner quand tu devais commencer le travail et que j'allais voir que tout va bien. Depuis que tu as touché mon argent, tous les jours que je t'appelle, tu me dis que tu es en tournage, tu es en déplacement, tu n'es pas bien, c'est monté, c'est descendu. Défaut premier, je suis un benguiste, je suis en Europe, je ne suis pas à 100 000 francs CFA prêt. Mais la façon que tu as fait pour escroquer mon argent, ça ne se fait pas. Et je ne veux pas te laisser. Tu as acheté une voiture, c'est bien. Tu as acheté une grosse voiture, non? Tu publies partout. Maintenant, tu as mis ton nom derrière, non? Mais avec l'argent d'escroquerie. Défaut premier, la voiture que tu as achetée, demain quand tu comprends la voiture, tu l'as fait tonneau. Que tu as fait l'accident, tu as dit que les gens t'en veulent. Que, oh, mon petit sendu. Alors que c'est l'argent de l'escroquerie des gens que toi, tu prends pour évoluer avec. Vous, les artistes comédiens au Cameroun, vous ne voulez pas vivre avec vos moyens. Vous n'avez rien, mais vous êtes sur le monde que vous avez de l'argent, que vous êtes bien, vous achetez des voitures, vous publiez à Facebook, vous consommez vos permis. On ne refuse pas, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. De vos premiers, je veux que tu me rembourses soit mes 100 000 francs, ou c'était, non, mes 150 000 que je t'ai envoyé. Tu me rembourses mes 150 000 que je t'ai envoyé, ou bien tu fais la promotion de cette page Facebook, on ne se sait pas comme les bons amis. Ça, c'est un avertissement de message. Hein. La deuxième vidéo que je veux faire. Publicitaire. Afrique Nature est cette entreprise qui a été mise sur pied pour éradiquer vos problèmes de maladies, les maladies qui vous dérangent au quotidien. Si vous avez des problèmes de paludisme ou de fièvre typhoïde, encore appelée typhoïde, contactez rapidement Afrique Nature. Il vous propose un produit comme Artemis pour éradiquer à ce mal-là. Ultra Power qui permet de détoxifier l'organisme en général. Force naturelle favorise la circulation sanguine. Surtout, permet de nettoyer les reins afin d'être viril au lit. Urine, qui détruit toutes les infections urinaires. Dentiste, qui est la solution efficace pour tous vos problèmes de dents. C'est-à-dire qu'il soigne vos mal des dents sans toutefois arracher vos dents. Je rappelle qu'Afrique Nature ne soigne pas toutes les maladies comme les autres naturopathes. Ils sont spécialisés seulement dans les 5 maladies que vous avez citées là. La particularité de Afrique Nature est qu'ils n'achètent pas les produits ailleurs pour vous revendre. Ils fabriquent leurs produits dans leur usine même. Afrique Nature est située à Yaoundé au niveau de Santa Barbara. Appelez ces numéros pour avoir plus d'informations. Ok. La deuxième vidéo que je vais faire, je vais déposer sur Internet, sur Facebook, ton nom et les frais d'envoi de l'argent. Et comme tu as bénéficié, je suis en Europe, tous les frais d'envoi, c'est ancré dans l'ordinateur. Je vais pas envoyer sur une où j'ai envoyé, je vais mettre sur ton bordereau. Je vais mettre sur Facebook. Je vais montrer aux internautes comment vous escroquez des gens pour avancer à Facebook. Je vais montrer aux internautes comment vous détournez l'argent des gens pour avancer à Facebook, pour acheter des voitures, pour vivre une vie qui n'est pas la vôtre. Défaut premier, partagez cette vidéo. Identifiez-moi un défaut premier sur la vidéo. Dis-lui que je veux mon argent. Identifiez-moi un défaut premier sur cette vidéo. Il me reconnaît très bien. AF237 Buzz. Identifiez-moi un défaut premier sur cette vidéo. Il m'a pris 150 000 francs. Je l'avais pas. Western Union. Je vis à Strasbourg, en France. Il a dit qu'il avait fait la promotion de ma page Facebook jusqu'à ce que j'atteigne 20 000 abonnés. Et je lui donne 250 000 francs CFA. Depuis qu'il a reçu le premier acompte de 150 000, la famille, il ne m'a plus jamais écrit. Quand je l'écris, il me dit qu'il est en tournage. Quand je l'appelle, il me dit qu'il est en ci, il est en ça. Quand j'écris, il me dit qu'il n'a pas le temps. Voilà, et voilà, il ne répond même plus. Parfois, il me dit que fais ça, tu m'envoies. Quand il fait, je l'envoie. Il me dit que non, c'est pas ce que je veux, fais plutôt comme ça. Il me dit que non, c'est pas ce que je veux, fais plutôt comme ça. J'en ai marre. J'ai mis un commentaire sur une de tes vidéos un jour. Que fais attention, je vais te publier sur internet. Tu m'as dit que ok. Là, on m'a dit que j'ai fait le clash. On m'a dit que j'ai cherché la visibilité. Mais je te réclame mon argent. Tu as acheté la voiture, c'est beau. Mais si j'attache mon cœur sur la voiture que tu as acheté,
Je ne veux pas les problèmes. Remets-moi mon argent. Remets-moi mon argent. Remets-moi mes 150 000. Ou bien tu fais la promotion de cette page. Et si tu ne veux pas le faire, tout le monde aurait le problème. Et je ne veux pas te laisser mon argent. Parce que tu ne dois pas acheter la voiture. Tu roules, tout le monde sait que toi, tu as une belle vie. Pendant, alors que tu escroques les gens pour pouvoir faire cette belle vie avec. Tu portes les filles, tu te fais la pète partout. Alors que tu escroques des gens pour faire cette vie avec. Identifie-moi ce gars sur cette vidéo. Identifie-moi de vos premiers. Envoie-lui cette vidéo afin qu'il puisse répondre ses actes vis-à-vis à moi. Je ne porterai pas plainte contre toi. Je ne ferai rien contre toi. Mais je veux mon argent. Et si tu n'as pas mon argent, ne viens jamais à un spectacle en Europe. C'est où je t'attends. Ne viens jamais à un spectacle en Europe. Et en Europe, sur le jour de ton spectacle, tu vas me rembourser l'argent là. Ou bien tu n'as pas fait ce spectacle là. Ou bien on va se gâter. Nous devons nous rapatrier au Cameroun. Donc, si tu dis bien, si tu ne donnes pas mon argent, ne rêve jamais venir à un spectacle en Europe. Quand tu vas mettre tes pieds, là-bas, vous êtes fort, vous avez les relations. Mais ici, là, il n'y a pas de relations. Donc, ça, c'est mon tout pour tout. Et vos rêves, vous tous là-bas, c'est de venir ici. Donc, je vais t'attendre patiemment et impatiemment ici, sur ce territoire. Le jour où, pas heureux par ma chance, tu vas mettre tes pieds ici, là. Tu as été montré que ça fait 15 ans que je vis ici. Et en 15 ans, j'ai aussi les pieds sur terre. Même celui qui t'a invité, lui-même va arrêter pour être invité. Je t'attends et je t'ai à l'œil. Donc, si tu reçois ma vidéo, je veux que tu me répondes, je veux que tu m'appelles. On arrange ça à l'amiable. Très bien. Il s'appelle AF237 sur sa page Facebook. C'est AF237. Vous pouvez voir également la vidéo sur sa page Facebook ainsi que sur sa chaîne YouTube. C'est toujours AF237. Je le connais parfaitement. Et Défaut Premier est également un ami, un frère. Un collègue, celui-là c'est aussi un jeune, il se débrouille aussi là-bas en bain et il a voulu aussi être populaire sur les réseaux sociaux. Il a son concept là, radio qui fait les micro-trottoirs. Donc voilà, je ne veux pas condamner un défaut, je ne voudrais pas que vous condamnez un défaut parce que bon, je ne sais pas ce que je vais vous expliquer, c'est ce qui s'est passé avec un défaut premier. Mais ce que je peux conseiller à mon frère Défaut Premier, rembourse cet argent pour avoir la paix. Chers jeunes, faisons très attention à la malhonnêteté. Ce n'est pas bien. Faisons très attention. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous voyez un truc de ce genre? Si moi, je voulais escroquer plus de 2 millions ou 1 million à ce monsieur qui parle là, je devais le faire. Il n'est pas le seul. Ils sont plus de 400 Camerounais comme ça qui m'ont contacté pour ce genre de problème. Ils sont nombreux comme ça. Il y a les analphabètes sur les réseaux sociaux. Chacun veut la popularité. Et quand tu as un peu de public, et on se dit, tu connais tout. Et beaucoup sont populaires. Ils ne connaissent rien même de la gestion des pages Facebook. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont toute une équipe derrière. Lui, il est juste devant. On le pilote. Lui parle seulement, mais tout le travail, c'est l'équipe technique derrière. Mais ils passent leur temps à dire, je maîtrise si je maîtrise ça. Alors, pourtant, même pour parler comme il parle là, il ne connaît même pas comment on place la caméra pour enregistrer. Donc, c'était mon contacté comme ça. Vous avez vu un temps, j'ai même eu un problème avec un monsieur ici à Yaoundé comme ça, qui faisait toujours aussi les choses, qui gérait les pages des gens comme ça. Beaucoup ne sont pas community managers. Ils travaillent avec les community managers. Ça veut dire qu'ils sont en partenariat. Ils viennent faire la publicité, qui sont les community managers. Ils prennent l'argent, ils prennent le pourcentage, ils reversent le reste aux gars du community manager. J'ai essayé ça avec 3 personnes. Maintenant, la différence avec moi, c'est que je disais la vérité. Je te disais directement que je ne suis pas community manager, mais je connais quelqu'un qui peut t'aider. La première personne a escroqué 100 000. La deuxième personne, quand il a fait ça, il n'a pas fait le travail, j'ai fui. La deuxième personne a escroqué 150 000 toujours. La troisième personne et la dernière que j'ai essayé encore a escroqué jusqu'à 300 000 francs. La chance pour moi, c'est que chaque fois que quelqu'un me contacte, je dis que si tu insistes, je peux te mettre en contact avec un gars qui gère les pages. Et ce sont tous ces gars de community manager qui viennent me voir. Et je leur dis, moi, je n'ai pas moi ce problème de community manager aujourd'hui. Vous savez, j'ai 3 pages Facebook. J'ai Franco Le Mignon qui a 184 000 abonnés. J'ai Franco TV qui a 120 000 abonnés. J'ai le général Franco qui sera bientôt à 10 000 abonnés. Donc, quand les gens voient tout ça avec ma chaîne YouTube qui a plus de 60 000 abonnés déjà. Donc, quand les gens voient tout ça, ils se disent que je maîtrise tellement, je peux gérer aussi leur page. C'est la chance, c'est mon contenu. Les gens aiment seulement mes contenus et c'est comme ça. Donc, je ne sais pas si c'est le cas avec Défaut que lui l'a pris. Il allait voir quelqu'un et la personne l'a aussi nargué.
Mais les gars, je vous conseille encore, évitez la malhonnêteté. Évitez ces choses-là. Je vous le conseille. Défaut premier, évite les problèmes. Tu peux rembourser l'argent de ce type. 650 000 francs, c'est rien pour toi. Je te le conseille. Rembourse ce monsieur. C'est un conseil d'ami. Rembourse ce monsieur. Parce que, vous voyez, ça commence un peu comme ça. Là. Après, vous allez entendre des maladies bizarres, les accidents et tout le reste. Là. Méfions-nous. C'était le général Franco. Partagez la vidéo pour qu'un défaut puisse suivre. Je pourrais plutôt le contacter aussi. eBay. Bon, je vais même le faire. Mais il fallait que je mette ça pour attirer l'attention aussi de certains qui font la même chose là. Que arrêter. C'est pour cette raison que j'ai publié cette vidéo. Arrêter. Ce n'est pas bien. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.